qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des courants. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourants. Ils ont leurs identités moulantes. Bonjour et bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île du Château d'If. Nous allons profiter de notre visite pour étudier les verbes « devenir » et « rendre ». Ces deux verbes en français sont utilisés pour exprimer la transformation. La différence entre le verbe « rendre » et « devenir » dépend du type de sujet que l'on va utiliser. Exemple. Si le sujet du verbe est la personne ou la chose qui se transforme, j'utilise le verbe « devenir ». Exemple. Quand je prends l'avion, je deviens nerveuse. J'utilise le verbe « devenir » parce que le sujet de mon verbe dans la phrase est « je ». La personne qui se transforme « je ». Je deviens nerveuse. Quand je prends l'avion, je deviens nerveuse. On utilise aussi le verbe « rendre » pour exprimer la transformation. Quand j'utilise le verbe « rendre », le sujet du verbe est la cause de la transformation. Exemple, l'avion me rend nerveuse. J'utilise le verbe « rendre » parce que le sujet du verbe est la cause de la transformation. L'avion, c'est l'avion qui me rend nerveuse. L'avion me rend nerveuse. Le Château d'If est devenu un endroit mythique grâce au roman d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas s'est inspiré d'une histoire vraie. Dans son roman, le personnage principal, Edmond Dantès, qui est devenu le comte de Monte Cristo, est emprisonné injustement ici au Château d'If. Nous sommes actuellement dans l'ancien cachot de Edmond Dantès. Edmond Dantès était le personnage du célèbre roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Le roman raconte l'histoire d'Edmond Dantès, devenu comte de Monte Cristo, qui a été injustement accusé et injustement emprisonné dans le château d'If. Il s'est évadé de la prison. Et il s'est vengé de ses ennemis qu'il avait injustement accusés. L'obscurité me rend nerveuse. Cette ancienne cellule est devenue un lieu d'exposition consacré au personnage du comte de Monte Cristo. Avant, les gardes de la forteresse montaient ici pour surveiller les côtes. Aujourd'hui, cet endroit est devenu une promenade magnifique pour les touristes. Avec une vue extraordinaire sur Marseille. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi ça... Voilà, la leçon est terminée pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt. Même des courants, certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourants. Ils ont leurs identités moulantes de style et de façon. Les petits mangent les verres et les gros les dévoreront.